grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Stories, à la radio, à la télé, les grandes gueules, c'est tous les jours de 9h à midi, c'est en direct. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, l'avocat Gilles-William Goldnadel. On s'était promis de la faire revenir dans la bande des GG. Elle est là avec nous aujourd'hui. Enora Malagré qui est avec nous. Chef d'entreprise, il faut le dire aussi. Hein. Chroniqueuse, chef d'entreprise. Ça paraît peu crédible et pourtant. Ah, pourquoi peu crédible? On n'a rien dit, nous autres. Non. J'ai pas une tête de chef d'entreprise. Ah, parce qu'il y a ta marque WTF. Elle pense que c'est encore l'autre. Il y a une tête pour ça. Qui passera le grand oral des GG tout à l'heure? Le directeur de campagne de la liste Les Républicains pour les élections européennes, je vais y arriver. C'est Geoffroy Didier. Il sera avec nous tout à l'heure dans le grand oral des GG à 11h05. À 11h05, le match des GG. Vous m'envoyez match par SMS au 732-16 et vous gagnez des places pour aller passer un bon moment au parc d'attractions Nigloland. C'est en Champagne, vous y allez en famille. À 11h20, les GG veulent savoir, grand débat, ça y est, c'est terminé. Maintenant, le gouvernement a compilé toutes les remontées du terrain, et Dieu sait qu'il y en a. Et ce matin, en ce moment même, ça commence. Monsieur Édouard Philippe, chef du gouvernement, Premier ministre, commence à présenter les conclusions de ce grand débat avant qu'Emmanuel Macron n'annonce les mesures. Franchement, est-ce que le gouvernement peut nous surprendre? 32-16 pour en parler, les GG veulent savoir tout à l'heure à 11h20. Pour les 1000 euros RMC, vous continuez à vous inscrire en m'envoyant RMC par SMS au 732-16. Les 1000 euros, c'est pour vous. Vous les gagnez tous les jours avec les grandes gueules et avec Moscato à partir de 16h. RMC par SMS au 732-16. Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. Qui mérite le titre de grande gueule du jour? Une proposition, la cantine à 1 euro, le petit-déj gratuit. C'est lancé dans les quartiers défavorisés de 8 académies, dont Amiens, Toulouse ou encore Montpellier. Bonne idée ou pas, on généralise ou pas. 3216 rmc.fr, hashtag GGRMC, c'est à vous d'en parler avec les grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. Quand il n'y avait pas ça, ça faisait 15 euros par jour. Et que là, je paye que 1 euro pour enfant. Et là, ça me fait 3 euros pour les trois. Entre septembre 2015 et la rentrée de septembre 2018, l'année scolaire en cours, nous avons une augmentation de fréquentation de 60%. Nous livrions plus de 90 000 repas par an. Nous sommes à plus de 140 000 repas par an cette année. C'est simplement une raison nécessaire pour avoir une scolarité aboutie, notamment dans le pays de la bouffe, pour être clair. Vous savez, autour de la table, c'est pas simplement manger. En France aussi, on apprend des valeurs. C'est pas dans tous les pays où on mange autour de la table. C'est-à-dire que la restauration collective, c'est aussi le moment où on apprend à vivre ensemble, c'est aussi le moment où on apprend à transmettre des valeurs, et c'est aussi des moments où les enfants apprennent à cohabiter. Alors, il s'agit de faire en sorte que les enfants ne soient plus le ventre vide. Vous connaissez Christelle Dubos? Non. Oui. Ah, vas-y. C'est la secrétaire d'État à la santé et à l'alimentation. Bravo. Ouais, oh. Il n'a aucun mérite. Hein. Il n'a aucun mérite. Pourquoi? C'était sur le menu qu'on t'a envoyé hier soir. Bah oui. C'est... Alors, Christelle, bah, oui, contrairement aux deux autres, j'ai bossé, moi. Escroc. Un seul mot, bravo. Quel escroc, alors? On comprend mieux les problèmes de l'agriculture française. Ah oui. Ah, salaud. Et le lien, là, il n'est pas bon. Là. Non, c'est pour faire une vanne. Alors, Christelle Dubos nous a expliqué, donc la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, qu'elle allait lancer les petits déjeuners gratuits pour les élèves des quartiers défavorisés dans 8 académies qui ont été choisis pour ce test. C'est à partir du 17 avril, donc dans quelques jours. Et ça sera généralisé en septembre. Et puis parallèlement, il y a la cantine à 1 euro qui, elle, sera lancée d'ici à la fin du mois. Selon les communes qui s'engagent, donc on parle de 10 000 communes qui sont prêtes à s'engager, qui vont recevoir une aide de l'État. En fait, c'est l'État qui finance via les communes. L'État donne 2 euros par repas, sachant qu'un repas coûte en moyenne 4,50 euros. Ça concernera donc jusqu'à 10 000 communes. Ça rentre dans le plan pauvreté, de lutte contre la pauvreté qu'avait annoncé Emmanuel Macron il y a quelques mois. Est-ce que c'est une bonne idée de faire baisser le prix de la cantine et d'aller vers la gratuité des petits déjeuners pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer? 3216rmc.fr. Je défie quiconque de dire que c'est une mauvaise idée, mais ça existe déjà depuis un moment, parce que Drancy, par exemple, c'était les premiers, je crois que ça fait un moment, la cantine est gratuite, je crois, à Drancy, depuis un moment. À Lille, c'est à 50 centimes pour 25% des enfants et 45% des enfants des jeunes à 1 euro ou moins. On s'en étonne, mais ça fait un moment que ça existe dans pas mal d'endroits. Et alors j'aimerais bien savoir qui va dire que c'est une mauvaise idée. Non, donc il faudrait plutôt le généraliser. Enfin, évidemment, ça me paraît logique. Hein, c'est de plus en plus difficile de bouffer, c'est de plus en plus cher. Et effectivement, vous l'avez rappelé, il y a un nombre incalculable de gosses qui arrivent à l'école le matin avec le ventre vide sans avoir mangé.
tant c'est de plus en plus dur. Alors c'est obligatoire pour moi. Monsieur Didier Giraud, il est là, tu lèves les yeux au ciel. Affligeant. Aussi, je crois. Comment c'est affligeant? C'est affligeant, j'en ai marre que dans ce pays, on fasse croire que la bouffe, c'est gratuit. Quoi. On est en train de faire croire à tout le pays que la bouffe, c'est gratos. On est en train d'essayer d'avoir un élan de solidarité envers nos amis qui n'ont pas les moyens de bouffer. Après, c'est de la responsabilité individuelle. Si ton gosse, il va le ventre vide à l'école. La moyenne des repas français en cantine, c'est 4,50 euros. Alors, explique-moi. Eh bien, certains n'ont pas... Qu'est-ce que le 1 euro... Non, mais arrête. C'est une histoire... Mais venant de toi, Didier, c'est une histoire d'arbitrage individuel, quoi. Les gamins qui arrivent le ventre vide parce que leurs parents n'ont pas le moyen de leur mettre un paquet de céréales le matin sur la table. Est-ce que parce que parfois, ils sont déjà au boulot? Parce que parfois, ils ont effectivement... Non, mais excuse-moi. C'est pas la même chose. Mais comment toi, avec tes belles bacchantes et ton grand cœur, tu peux me sortir une bêtise pareille? C'est pas une histoire de grand cœur. Le problème, c'est qu'on fait croire aux gens que la bouffe, c'est gratos. Mais absolument pas, on ne te fait pas croire aux gens, ça, c'est une ineptie ce que tu viens de dire. Parce que quand la cantine c'est gratuit, bah la bouffe ça devient gratos, quoi. Et à un moment donné, s'il y a des collectivités qui veulent assumer le prix de la cantine, il faut que ça soit fléché, clairement identifié. C'est une aide. Parce que quand le repas il est à 4,50 en moyenne en France, il est déjà subventionné, quoi. Non mais si je peux arbitrer cette conversation désagréable que vous avez entre vous, je pense honnêtement... Je préfère mille fois, par exemple, qu'on aide les familles pauvres, justement, dans le cadre... C'est une aide. Oui, c'est une aide. La cantine à 1 euro, c'est quitte à pénaliser des familles qui reçoivent des allocs, etc., et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ou bien qui les laissent traîner n'importe où... Alors, toi, t'aides, mais tu mets une grosse beigne derrière, quand même. C'est ça, l'idée. Je souhaite, c'est ton délire. Je souhaite que l'État soit généreux sans être mais un cave. Mais pas trop. Sans être un cave. Tu comprends ça? Oui. Sans être un cave. Donc, je pense que cette aide directe-là, elle est beaucoup plus intelligente que quelquefois des aides... Plutôt, c'est une aide indirecte, plutôt que des aides directes, où les parents sont déscolarisés, c'est ce que exactement. Tu veux dire. Après, il y a des effets pervers. Il y a des effets pervers. Qui fait le zonage? Attends, il y a des effets pervers parce que le petit déjeuner gratuit, ça a déjà existé. Je me souviens dans les écoles parisiennes, parce qu'on est pour que absolument alors, voilà. Dans des écoles. Le problème, c'est que tous les enfants n'arrivent pas le ventre vide à l'école. Il y a des enfants et majoritairement qui ont pris un petit déjeuner. Non, c'est pas bien parce que le petit déjeuner gratuit, les enfants arrivaient et reprenaient un petit déjeuner et les médecins s'étaient rendus compte que ça posait des problèmes. D'obésité, bien sûr. Et que les mots, parce que c'est un effet pervers. Donc le petit déjeuner. Que les enfants fassent maigre. Non, c'est pas ça. C'est que le petit déjeuner gratuit doit viser ceux qui ont vraiment besoin de ça. Le problème des aides en France, c'est que c'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fit des aides à tout le monde et certains n'en ont pas besoin. Attention, attention. Il y a 10 000 communes qui vont avoir la cantine à 1 euro. Qui choisit les communes? Parce que dans une. Je suis désolé, dans une cantine d'une commune, il y a des gamins qui, certes, auront peut-être. Leurs parents auront des difficultés financières et auront faim, et puis d'autres qui seront bien nourris. On regarde le salaire. Déjà, Didier, tout le monde ne paye bien. Pas le même prix de la cantine, c'est en fonction de ton salaire. Il y a une grille déjà. T'as quand même dit on file des aides à tout le monde, donc on est à ce niveau. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il faut cibler les aides. Pour que ça soit efficace, il faut les cibler. C'est pas réac. Cibler les aides, c'est plus efficace. Moi, ce qui me pose problème, c'est la façon dont on traite l'alimentation, quoi. Moi, je suis désolé, afficher 1 euro, c'est dévaloriser l'alimentation. Aujourd'hui, il y a 30% de ce que je produis et de ce que produisent tous les paysans. Il y a 30% de la bouffe européenne qui finit à la poubelle. Non, ça d'accord, mais pour moi, ça, c'est un autre débat. C'est majoritairement dans la restauration au foyer. Quoi. La restauration collective. La restauration collective et les cantines. Mais parce que les gamins ne mangent pas ce qu'on leur donne à la cantine. Et globalement, ce qu'il y a dans les cantines... Là, c'est un tout autre débat. C'est exactement le même débat. La bouffe, elle doit être pas chère, elle est dégueulasse, elle est dévalorisée. Et à un moment donné, là où il y a un bon cuistot, un bon vieux cuistot qui dit... J'emmerde les normes européennes et moi je cuisine dans ma. Parce qu'il faut en passer par là hein, pour cuisiner dans une cantine scolaire. Hein. Il dit moi je cuisine, et ben les gamins ils mangent. Et c'est pas si cher que ça. D'accord. Parce que la cuisine pas chère, c'est de la mauvaise cuisine. Alors nous sommes avec Zaya qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Zaya. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne idée ou pas la cantine à 1 euro et le petit déjeuner gratuit le matin? Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est comme le disait Didier, c'est dévaloriser l'alimentation. Mmh. Que moi j'habitais le Val-de-Marne jusqu'il y a peu.
Oui. Et j'assistais aux réunions de collectif de mairie, je faisais partie de l'école. Oui. Et la qualité de la cantine est déjà exécrable. Je ne vois pas comment les mairies peuvent assurer un repas de qualité avec 1 euro et une dotation de l'État qui baisse chaque année. C'est ça. Et de plus en plus d'élèves qui mangeront à la cantine. C'est pas possible. Donc je suis contre. C'est encore une aide. Et ça déresponsabilise les parents, selon vous, Zaya, aussi? Ah, complètement. Complètement. Ouais. Le petit déjeuner gratuit le matin, je suis désolée, c'est une organisation familiale. J'ai trois enfants, je travaille, mes enfants mangent à la cantine tous les jours, ils prennent un petit déjeuner le matin. Comment vous faites, comment vous organisez pour le petit déjeuner alors justement si vous travaillez aussi alors, dites-moi. Eh bien on se lève plus tôt, tout simplement. Ouais. D'accord. Et on pose le petit déjeuner sur la table et les enfants s'habillent, descendent, prennent le lait, le pain avec des tartines, du beurre. Comme ont fait mes parents par le passé. Oui, mais c'est pas, ça ne s'adresse pas à vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, avant que je me fasse traiter de réac par Enora. Je disais que, non, je disais que les petits déjeuners gratuits ou cette aide doivent cibler les bonnes personnes. Bien entendu que majoritairement, les parents font le petit déjeuner aux enfants. Sauf qu'il y a dans des familles où c'est souvent des familles monoparentales, où il y a des difficultés sociales, etc. C'est là où l'enfant, il ne doit pas payer pour ses parents, il n'a rien demandé. Il y a une telle précarité. Donc l'enfant, il faut l'aider. Il faut qu'il mange moins bien, mais qu'il mange tout court. Voilà. Pardonnez-moi, parce que je suis d'accord avec vous peut-être sur la qualité des aliments qui seront fournis, mais, non, mais il faut quand même qu'il mange. Attendez, allez-y, Zaya. Pardon. Mais on est d'accord, mais les enfants chez eux peuvent manger. Enfin, je pense que en France, l'État aide déjà énormément les parents et les familles en difficulté à se nourrir. Mais la part consacrée à l'alimentation, c'est Didier nous le dira, est de moins en moins important dans le budget. Contraint, on a d'autres choses à payer. Non, mais c'est ça, parce que on peut faire juste le budget. Attendez, une seconde. Allez-y, Zaya, finissez votre phrase. Je voudrais juste dire que les collectivités, quand elles n'ont pas assez de moyens et doivent assurer un budget chaque année, qu'est-ce qu'elles font? Elles réduisent la qualité de la cantine. On a affaire à des sociétés qui livrent les repas et c'est franchement dégueulasse. Et donc là, personne mange en fait. Dégueulasse. Ouais. Et personne mange et c'est du gaspillage. Les nourritures sont jetées et alors faire la cantine gratuite pour faire la cantine gratuite, c'est complètement aberrant, c'est du non-sens. C'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde mange, donc on fait baisser le prix et finalement c'est tellement dégueulasse, personne ne mange. Donc voilà. Zaya, c'est ce que vous disent vos enfants à propos de la cantine, que le midi ce n'est pas très bon, c'est ça? C'est ce qu'ils vous disent? Oui, et moi je paye 5 euros par enfant. 5 euros par enfant, oui, donc vous faites partie des revenus qui ont les moyens. 5 euros pour que tes enfants ne mangent pas, c'est cher. Moi, je suis pour aider les familles en difficulté, c'est pas le problème. Mais je vais préférer à la limite qu'on organise des aides familiales pour que les parents puissent donner à leur enfant à manger tous les jours chez eux, plutôt que de les envoyer dans une cantine où tous les enfants vont manger des repas dégueulasses. Mais vous savez que ces aides, ils les utiliseront effectivement majoritairement autrement. Mais c'est ça le problème. Elle est là, la responsabilité familiale. C'est qu'avant d'avoir... Attends une seconde. Finissez, Zaya, pardon. Allez-y. Je suis désolée si ces aides sont utilisées autrement dans le cadre de la famille, c'est pas normal. Zaya, merci d'avoir été avec nous. La discussion continue. La cantine à 1 euro, le petit déjeuner gratuit. Pour le moment, ça vise les zones défavorisées dans certaines académies. Est-ce qu'il faut aujourd'hui peut-être le généraliser? 3216, rmc.fr, c'est à vous de réagir avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Enora, avec Didier, avec Gilles William. RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules.